Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la Soluce d'un sanctuaire, donc je vais vous montrer sur la map. Alors, comme d'hab, je vais dire n'importe quoi pour le nom, c'est Kikakun ou autre chose, Kikakun, je ne sais pas. Bref, c'est un sanctuaire. Allez, c'est parti. Donc c'est dans l'obscurité. Prenez donc le projecteur, hein. Alors, moi je m'équipe bien évidemment de mon armure de mineur. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma soluce sur cette armure qui est quand même peut-être bien. Vous, si vous ne l'avez pas, malheureusement, vous allez devoir utiliser l'éclairage fourni. Donc, c'est quand même vachement plus simple d'avancer et de progresser comme ça. Ça nous rappelle beaucoup certains sanctuaires de Breath of the Wild. Sauf que là, du coup, l'obscurité, c'est un peu moins fun vu qu'on a des profondeurs et qu'on a notre dose d'obscurité. Donc, on progresse. Ici, vous utilisez emprise pour aller chercher le coffre qui contient la petite clé. Vous voyez, cette tenue, en plus de faire un halo lumineux autour de vous, elle laisse sur votre passage des halos lumineux également. Donc, elle est vraiment top. Hein. Je la conseille vraiment. Pour les profondeurs, c'est indispensable. Donc ici, on va aller récupérer le coffre de ce sanctuaire. Donc, en premier, il y a Ambre Brute. Continue. Les fameux lasers, on commence à avoir l'habitude également. Et il y a un deuxième coffre de ce sanctuaire. Bon, c'est rare. Et ça arrive. Et c'est une opale brute. Donc, on revient sur nos pas en évitant bien évidemment les lasers. Vous voyez, ce qui est top, c'est que ça laisse vraiment c'est où on est passé, donc c'est une grande grande aide, vraiment. Donc du coup, bah, ils nous font plaisir en coffre, hein, et une gemme Nox également. C'est rare, hein, c'est trois coffres. Sans compter la petite clé, hein, qui est pas vraiment... pas vraiment un coffre, donc ça permet uniquement d'ouvrir, voilà, la porte là du sanctuaire. Donc voilà, vous ouvrez cette fameuse porte, ce qui donne fin au sanctuaire. Si cette soluce a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.